tous. Lever le matin à 6h pour faire quoi les chiens le plus tôt possible pour avoir les températures les plus fraîches possibles. Nous n'avons que 9 degrés, mais c'est quand même possible de faire courir les chiens pour un bon périple d'une dizaine de kilomètres. En tête, je mets toujours ma fidèle Sofia, que j'ai achetée chez Edmonton, ma chère. Elle va jamais tellement au galop. Elle a un trot régulier, mais vraiment régulier. Alors à côté de Sofia, nous avons Ernie, qui est sa fille. Elle est en formation pour devenir leader. Pour l'instant, elle ne sait pas encore grand-chose, mais ça progresse. Ici, là, nous avons Thor et Pepper qui forment la suite du convoi. Et juste ensuite, il y aura Vito et Loki. On peut le voir, les chiens là, ils partent au galop, au triple galop, là je suis à pratiquement 30 km/h. Et donc je fais le tour avec le quad sans moteur. Si je mets le moteur, ça n'a pas d'intérêt. Là on va essayer de faire une petite dizaine de kilomètres. C'est un petit peu chaud, mais enfin les chiens sont de terre. Parcours, on va en croiser plusieurs.
kilomètres, la cadence a diminué un peu, mais les chiens restent encore en forme. Bon, vraiment, l'ennemi numéro 1, c'est la température ici. Il faut encore pas loin de 10 degrés, c'est vraiment trop chaud. Hein. Mais bon, ça va, il court bien, il souffre pas trop de la chaleur. Le soleil se lève, le voilà, la lumière du soleil, toute rouge. Ici c'est un des rares passages où il y a quelques arbres sur mon parcours. Et les chiens aiment bien passer par ici parce que souvent il y a du gibier qui traverse. Un peu n'importe quoi, vous dites des faisans, des renards, des hyènes. Il y a un faisan qui traverse. C'est dingue ça. On est au 10e kilomètre. Les chiens, ça marche toujours bien. Un bon petit tour de 12 km.